Depuis un an et demi, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, nous avons une approche désormais qui est une approche à la fois support technique et commerciale. C'est-à-dire que nous proposons non plus seulement une approche technique vers le professionnel, mais également une approche commerciale. Donc nous avons un package professionnel qui, je dirais, prend en compte toute la problématique du client. L'organisation a donc considérablement évolué, avec une partie de l'équipe qui est tournée vers des résultats commerciaux, que ce soit chez les utilisateurs ou sur le réseau de distribution, et une équipe qui est, elle, très orientée sur le support technique, les solutions techniques à apporter aux clients utilisateurs. Ce contrat de distribution sélective est extrêmement simplifié dans le sens où il est directement lié au statut partenaire image professionnelle. À ce statut est attachée la distribution sélective des produits. Cela concerne donc 25 magasins qui vont distribuer les Haussins DX et les téléobjectifs de grande ouverture 300, 400, 500, 600 et 800 mm. Ça leur amène une valeur ajoutée et ça leur amène surtout beaucoup de confort dans la présentation de nos produits, dans le stockage de nos produits, car ils savent qu'ils n'ont pas affaire à une concurrence opportuniste et sauvage, mais qu'au contraire, ils peuvent travailler en profondeur l'offre professionnelle Canon. Donc ça, c'est très très intéressant de leur amener une tranquillité d'esprit et bien entendu tout le package de formation et de technicité qui accompagne la vente de ces produits. Et c'est la première fois que Canon lance simultanément deux produits de cette importance. Alors, c'est un vrai bouleversement stratégique. Ce sont des produits très très polyvalents, très attendus. Et l'accueil est absolument incroyable. Les sorties magasins ont été immédiates et totales. Il n'y a plus un EOS 5D Mark III disponible à la vente en France actuellement. On attend avec impatience de pouvoir à nouveau fournir, dans les jours qui viennent, une nouvelle vague de produits. On a un retard sur le 1DX, effectivement. Le produit sortira mi-juin pour une mise à disposition, je dirais, tout public. Il est certain que dans le contexte d'une actualité sportive internationale extrêmement riche, nous sommes en train de déployer un plan d'action afin de pouvoir équiper pour ces événements les grandes agences internationales qui ont réellement un besoin professionnel et un besoin de résultats avec nos produits. Et puis ensuite, à partir de la mi-juin, une distribution plus large vers l'ensemble de notre clientèle. On a énormément d'ambition. Nous voulons imposer Canon comme étant la référence des produits de qualité pour une utilisation professionnelle. Donc il y a de grandes ambitions, il y a effectivement une vision à moyen terme qui devrait nous amener à reprendre nettement le leadership sur ces produits.